Salut, salut. Donc, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour le swatch et le make-up de cette palette Beauty Bee. Donc, j'ai craqué à cause d'Erika. Voilà, c'est une abonnée qui est passée chez moi 2-3 fois et à chaque fois, elle était maquillée avec cette palette et à chaque fois, je disais, oh, mais c'est trop beau ton make-up. Elle me disait, bah, c'est la Dark Fantasy de Beauty Bee. Donc, j'en ai profité pendant les soldes. Je l'ai acheté, vous aurez le haul après la semaine des films. Et du coup, j'ai acheté le kit en fait, avec le pinceau. Voilà, la trousse, elle est pétrole, on dirait. Je vais vous montrer déjà les pinceaux et puis on passera au swatch de la palette. Donc, vous avez la trousse plus 12 pinceaux, ou 10, attendez, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc, vous avez le double embout goupillon et pinceau biseauté. Voilà, donc ça je vais pas l'utiliser maintenant puisque j'ai déjà fait mes sourcils. Vous avez un pinceau liner. Ça c'est sympa, il n'y en a pas tout le temps et il a l'air assez fin et assez dense. Alors, il y a le pinceau plat comme ça que vous pouvez utiliser pour le ratil et les manches sont aussi holographiques comme ça et en plastique. Vous avez un tout petit crayon. Un crayon un peu plus gros. Il y a le petit pinceau plat comme ça. Le pinceau plat plus dense. Il est assez complet. Hein. Le pinceau plat un peu plus fluffy et un peu plus épais. Un autre pinceau plat plus dense et plus fin. Et vous avez un pinceau boule. Ouais, je dirais deux pinceaux boule et un pinceau estompeur. Donc là les boules, ceux ici c'est le genre que j'utilise soit pour estomper, là il y a un poil qui est trop long, soit pour estomper, soit pour faire un creux large, ou ici pour faire mon creux, et un gros pinceau, il a une forme assez sympa pour bien estomper, donc on va les tester en même temps, il faut juste que je coupe le poil qui dépasse là. Alors la palette Dark Fantasy, 1,4 g par fard, vous avez 20 fards à l'intérieur, et elle est très 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 jolie. C'est pas des teintes incroyables parce que c'est des teintes que j'ai dans d'autres palettes, hein, Beauty Bee ou autre. Mais j'ai quand même craqué à cause d'Erika, donc voilà. Vous avez un blanc mat, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mats et 10 lumineux du coup. Il y a un peu de tout, il y a l'air d'avoir des beaux reflets et ici c'est un noir, une bourrée de paillettes. Bleu et blanche dedans, il a l'air canon. J'ai remarqué que par exemple, vous pouvez utiliser ces quatre teintes là, ces quatre teintes là, ces quatre teintes là, les teintes ici par exemple, ici, enfin voilà, il y a plusieurs comme ça aussi. Ici non, parce que ça fera qu'un mat, mais voilà, il y a moyen d'associer un peu. Regardez ici, elles vont très bien ensemble. Ici, vous pouvez faire un make-up aussi, donc elles vont très bien en quatuor. Maintenant, il y a du bleu, il y a un magnifique prune ici, il y a un bordeaux ici. Vous avez du vert, donc il y a trois verts mat plus un lumineux. Il y a un marron moyen ici, enfin un marron plutôt foncé et un moyen ici. Donc il y a moyen de faire pas mal de make-up différents, je pense. Si vous voulez une palette 3 looks, dites-moi ça en commentaire et je vous le ferai un peu plus tard, quand j'aurai le temps, février, je pense. Et voilà. Alors, je dois vous avouer que ce fard noir là m'intrigue énormément. Et je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais faire. Mais je pense qu'on va partir dans un smoky noir à paillettes. Rajouter un petit peu de celui-ci peut-être par-dessus. Parce qu'ils sont tous très beaux. Mais je pense qu'on va faire ça. Hein. Ouais, allez, on se fait un petit smoky à paillettes. Donc, je me rapproche. Et non, d'abord, je fais les swatchs, n'importe quoi. Donc, je remonte ma manche, je prépare ma lingette et on va faire les swatchs ensemble, comme je fais en ce moment. Alors, je vais les faire par colonne, comme ça je les prends par quatre. Alors, on a d'abord le blanc qui s'appelle... Ils sont chiants d'écrire atmosphère, ils écrivent en holographique. Le bordeaux en dessous s'appelle reality. Oh, il est magnifique. Nightmare... Et Dark Water pour le black.
Ils sont toujours aussi bien pigmentés. Donc le blanc, je vais faire comme ça par deux. Je vais vous montrer d'un peu plus près après. Hein. J'ai déjà préparé une lingette. C'est bien pigmenté, hein, comme d'hab. Je vous le répète à chaque fois, mais Beauty Bay, très bonne qualité de fard par rapport au prix. Ensuite, on a le Hawks. Le Ingrippet, je ne sais pas trop, je ne sais pas bien lire. Le Crunch et le Glime. Slime peut-être. J'ai du mal à lire les teintes. Oh, il est magnifique celui-là. Très joli. Je vais baisser un peu mon miroir pour voir où je fais mes swatches. Il est beau celui-là. Très joli. Donc j'essaye plus de vous lire les teintes, ça me donne mal la tête déjà. Alors les quatre suivants. Et les lumineux sont toujours aussi crème. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est très beau tout ça. Oh là 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 là. Bah non, elle m'a dit, tu vas voir, en vrai, elle est plus jolie que ce qu'on pourrait croire. Après, c'est vrai que les reflets dans les lumineux Beauty Bay sont toujours incroyables. Mais quand vous avez toute la collection de palettes, ça commence à faire beaucoup de teintes un peu pas identiques parce que c'est pas les mêmes, mais c'est très similaire quand même. Après, collectionnite aiguë. Oh là là, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Celui-là, il tire un peu sur le sable, comme ça, j'aime beaucoup. Celui-là, il est magnifique, et le vert aussi. Hein. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau, celui-là. Et les quatre derniers avec ce magnifique noir à paillettes là. J'espère que les. Oh, attendez-vous. Avoir de la pétouille. C'est beau. Le noir. Oh là là, on voit bien les paillettes dedans. Celui-là est très beau aussi. Le noir il est ici. Ça c'est bleu marine. Oh là là. Il est magnifique celui-là, il est duochrome. Ah oui, il est duochrome mauve-vert, un peu doré. Oui. Oh, c'est très beau. Je vais vous montrer ça de plus près. Donc voilà pour les swatchs, et c'est vraiment très beau. Très joli. Donc, je nettoie ça, et on attaque le petit make-up. Bon, ben on va faire de la pétouille, hein, les gars. Alors, je vais commencer avec le pinceau boule comme ça. Ils n'ont pas de référence, je crois pas. Non, il n'y a rien marqué sur les manches. Et je vais prendre le marron moyen qui est ici. Pour faire mon creux. C'est hyper pigmenté, hein. Mais bon. Je vous apprends rien, hein, Beauty Bay, vous savez que ça fait partie de mes marques préférées. D'ailleurs, demain, on continue chez Beauty Bay avec les palettes et Yo Coralie. Donc, je dégrade au maximum, et comme d'hab, ça se dégrade vraiment tout seul.
Ouais, bon, je vais faire mon gratte-ciel aussi. On va rester dans un smoky assez classique. Ensuite, je vais prendre un pinceau plat. Je vais prendre ben, le plus large pour qu'il prélève bien des paillettes. Et je prends le noir, du coup, à paillettes, qui est juste ici au coin. Donc là, j'ai quand même tapoté un peu parce qu'il y a des paillettes. J'applique bien ça sur ma base. On voit bien les paillettes. Le noir est assez opaque, il n'y a pas besoin de mettre le noir en dessous. Donc j'ai commencé à dégrader avec ce pinceau-là pour le tirer un peu dans le marron. Oui, de remonter mon miroir, je suis en train de me vautrer. Je reprends le premier pinceau et je blende. Donc j'essuie les pigments et je reprends mon premier marron. Enfin, ma première teinte. Pour bien peaufiner le dégradé. Je vais prendre celui pour le ras de cils et je vais commencer avec le bleu marine ici. Et je vais remettre le lumineux par-dessus. Ouais, j'ai envie de faire mon ratio en bleu. J'essuie mon pinceau et je prends le bleu lumineux. Ouh, il prélève pas assez. Oh, il s'effrite. Mais je vais quand même en rajouter un peu. Je vais prendre celui-là. Je reprends le lumineux avec la tranche. Ok, ça reste assez discret. Donc je vais essuyer mon pinceau et je vais prendre le. Je vais prendre celui-ci pour ne pas mettre l'argenté, ça fera peut-être un peu trop clair. Que je vais mettre. Bon bah écoutez, je vais le mettre par-dessus le bleu. Avec l'autre pinceau plat, je prends celui-ci qui est donc le duochrome. Oui, obligé. Et je le mets au centre de ma paupière. Peut-être y aller au doigt. Il se prélève bien hein, au pinceau, mais il ressort pas assez sur le noir, donc j'y vais au doigt. Je reprends le pinceau que j'ai appliqué noir pour blender. Ok. Et je vais prendre celui-là pour prendre ici pour mon coin interne. Je vais prendre ce pinceau-là pour peaufiner le dégradé. Je termine mon make-up. Je vous dirai ce que j'ai utilisé après. Je vais vous montrer ce que ça donne et on parle de la palette et des pinceaux juste après. Donc j'ai juste mis du crayon noir, mon mascara et j'ai fait le petit cœur de chaque côté. Voilà, j'avais pas trop envie de me prendre la tête. Je suis réveillée depuis 4h au matin et il est 9h, donc je suis fatiguée. Et sur les lèvres, j'ai mis ben, mon crayon essence, le Marc Jacobs et j'ai mis le Cherry Bomb de chez Fenty Beauty en gloss par-dessus. Voilà, c'est des produits que j'essaye de terminer dans mon projet de panne de cette année que je vous remets en barre d'infos. Je vous mets également le lien
De la palette seule, des pinceaux seuls et du kit, je pense qu'ils sont encore en promo, je ne sais pas jusque quand. C'est des liens d'affiliation, voilà, comme ça vous savez. Alors, qu'est-ce que je pense? Bah, d'abord les pinceaux, alors les pinceaux ils sont très bien, j'aime beaucoup les pinceaux Beauty Bay. J'en ai très peu, mais je les aime beaucoup, voilà, tout simplement. Il y en a que trois qu'on n'a pas utilisés sur le kit, mais j'ai rien à dire, c'est des très bons pinceaux. Ils tiennent très bien au lavage et tout, et je les ai trouvés vraiment très beaux en holographique pétrole comme ça. La trousse est également magnifique. Voilà, c'est rare que je craque sur les trousses et que je garde les trousses, mais celle-ci elle est soft. Je pense bien que je vais me la garder. Alors, la palette, Erika, c'est entièrement ta faute. T'as de la chance qu'elle était en promo. Après, elles sont pas bien chères de base. Mais je crois que seule elle est à 8,10 € ou un truc comme ça pendant les promos. Donc voilà. À ce prix-là, autant pas passer à côté. On a quand même testé pas mal de teintes. Ce noir pailleté est magnifique. Ces deux-là sont canons, le duochrome. Je vous en parle même pas. J'ai hâte de tester un peu ben, ces teintes-ci, les verts. Enfin voilà. Un make-up peut-être un peu plus bleuté. Donc dites-moi si une palette 3 looks vous intéresse et je vous ferai ça dès que j'aurai le temps. Comme ça, je pourrai la tester plus en profondeur aussi parce que là, je ne pense pas que j'aurai le temps de la tester entre les vidéos que je dois tourner. Rien à dire, question qualité, quantité. Franchement, c'est Beauty Bay, c'est un des meilleurs rapports qualité-prix que je connaisse. Avec Colourpop par exemple, mais Colourpop, bon, bah, y a les frais de douane pour la Belgique et tout ça, les frais d'envoi ne sont pas donnés. Beauty Bay, vous n'avez plus les frais de port gratuits non plus, du moins pour la Belgique. Il me semble que peu importe le montant, c'est 6,95 €, donc ça va encore, ça, franchement, c'est pas excessif. Il n'y a pas de frais de douane, donc franchement, j'adore. De toute façon, Beauty Bay, j'adore en général. J'adore ce site, j'adore leur marque, il y a beaucoup de produits que j'adore de chez eux. Et voilà, donc bah, dites-moi en commentaire si vous, vous l'avez déjà acheté ou si maintenant, du coup, comme moi, elle vous tente. J'ai vraiment hâte de tester ce bordeaux là et ce prune, oh, les verts. J'ai hâte de les utiliser. Donc j'espère que vous voudrez une palette truc. Voilà pour la palette. Franchement, pas déçu de mon achat, comme à chaque fois. Et voilà, pareil pour les pinceaux, pas déçu du tout. Donc je suis bien contente d'avoir craqué et je suis bien contente qu'il y ait des si bonnes promos chez eux pendant les soldes ou les promos. Parce que ça arrive souvent que les palettes de leur marque soient en promo. Et du coup, j'ai craqué sur le duo de palettes Eau Coralie que vous verrez demain. Donc demain, il y aura les deux swatches de make-up dans une vidéo. Hein. Vous avez la plus douce et la plus dark. Forcément, j'ai craqué pour la dark, hein, mais voilà. 6 mats, 2 lumineux, très bien pensé. Et ici, vous avez 3 lumineux. Et les darks sont vraiment... Je suis là obligé que je le teste. Bon, après, il y a encore un noir à paillettes qui est très ressemblant à celui-ci. Hein. Swatch obligé. Donc ici on a celui de la Dark Fantasy et ici c'est les mêmes, c'est exactement les deux mêmes, les paillettes sont les mêmes. Ouais, non, c'est exactement les mêmes. Dans la Dark Fantasy il y a peut-être même limite un peu plus de paillettes. Le Dark Fantasy est ici et le Eau Coralie est ici. Donc voilà, vous savez que si vous achetez comme moi les deux d'un coup, ben vous avez déjà un doublon. Et donc voilà, maintenant j'en ai partout. Je vais aller laver mes petites mimines. Et voilà, donc n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça fait vraiment plaisir. Je vois qu'on monte doucement, mais on monte. Et ben c'est tout. Donc moi j'ai plus qu'à vous dire bisous, bisous.